Et salut à tous, salut chers amis aventuriers, comment ça va ce soir? Salut, Coucou! salut! Salut, très bien. Salut! Eh ben, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la Malédiction du Trône Écarlate, où on avance petit à petit, tranquillement, mais sûrement, vers la suite des aventures de nos aventuriers. Hein, c'est le principe. Il est vrai, les aventures des Hein. aventuriers C'est qui le principe. Hein. s'aventurent dans des aventures. Ouais, de plus en plus aventureuses. Oh oui! Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé, mon bon Zazu, la dernière fois? Des aventures. Aventure, ouais. Ah, trop d'aventures. Alors. Eh, session 99, attention. Ouais, un truc comme ça, hein. On n'est pas loin. Plus ou moins un. Alors, arrivé dans le centre-ville de Kaer Maga, nous trouvons une bonne auberge, la Maison des Canaris, où nous restaurer et discuter de la suite des événements. L'aubergiste nous donne quelques informations sur la ville qui nous permet de nous organiser. Dans l'optique, pardon, de gagner du temps, le groupe se répartit les tâches. Iki part louer des chevaux à l'écurie des Monts d'Or, et chose étrange de sa part, ne négocie pas les tarifs. Enzaru va à la bibliothèque, dans la partie est de la ville, et recopie une carte des terres à l'est qui mène jusqu'au mont Kalo, ainsi que l'attitude des Sklarka, leur territoire étant sur le chemin. Quelques informations sur le culte de l'enfant-dieu et passe le reste de l'après-midi à rechercher des informations pour vaincre Ristomor Tiens, je fais penser que j'ai oublié de te donner des infos. Tyriac. C'est pas grave, s'il n'y a pas d'urgence. Tant que je ne croise pas demain. Enfin, Trinia et Lerina et Kaito partent échanger une baguette de soins contre une lance magique avant de retrouver un troll augure pour lui demander ses services. Entre autres, quelle est l'influence qui manipule la reine Iliosa? Je crois que c'est à peu près ça la question. C'est ça, moi j'ai noté qu'est-ce qui influence la reine? Ou qui influence la reine, enfin, quelle est la puissance qui influe sur la reine. C'est ce genre de bail, quoi. Ouais. Et du coup, le truglion, hein, comme on l'avait appelé, vous invite à le suivre dans une petite allée, un peu plus tranquille. Oui, on suit. Ouais, ok, très bien. Du coup, tous les quatre, donc Trinia, Kaito, Elerina et le Truglion, Oracle, vous approchez d'un genre de petit temple rond, assez simple, assez petit. Hein, vous rentrez dedans, les murs sont de couleur assez sombre et vous voyez qu'il n'y a pas de fenêtre. C'est vraiment un truc très très simple, très très basique. Le sol est fait de terre, hein. Il n'y a pas de carrelage, il n'y a pas de quoi que ce soit de dalle ou autre chose, c'est vraiment très très basique. Par contre, vous arrivez à distinguer un petit peu partout grâce à la lumière du jour qui passe par la porte, pas mal de petites étagères qui comportent pas mal de bibelots, de bougies, de statuettes et autres brûleurs à encens. Et vous voyez qu'au sol est posé un assez gros récipient en or, enfin doré en tout cas. Et autour de ce récipient, vous voyez des coussins, plusieurs coussins disposés en arc de cercle. Le troll vous. Truglion. Le truglion, pour l'instant, ne vous parle toujours pas. Il commence à allumer les bâtons d'encens et puis les bougies. Puis il finit par s'agenouiller d'un côté du récipient et vous invite d'un geste de la main à vous asseoir sur les coussins en face de lui. Eh bien, on s'assoit. Je m'assois à genoux sur le coussin. De son côté, Trinia, elle s'assoit en tailleur, assez curieuse. Vous voyez un genre d'excitation un petit peu que Jazan lui en a parlé. Ça a l'air d'être presque un spectacle peut-être pour elle. Donc une fois que vous êtes assis, il enlève son capuchon, sa capuche, et vous dit, très bien, dites-moi ce que vous souhaitez savoir.
Prenez en compte que les oracles ne sont jamais parfaitement clairs et que ces réponses peuvent vous faire poser plus de questions qu'il n'y répond. Bref, quelle est votre question ? On aimerait savoir qui influe sur la reine Iléosa, qui est derrière aux commandes, qui l'a fait... En gros, qui l'influence, si c'est quelqu'un ou quelque chose. Puis là, il dit personne. Bon. Passez-vous. Bande de con. Vous sentez qu'il y a la tension commence à monter, l'encens vous fait un petit peu plus... pas tourner la tête, mais vous sentez que vu qu'il n'y a aucune aération dans la pièce, à part le bas de la porte et voilà, enfin l'encadrure de la porte qui laisse un petit peu passer, l'air devient un petit peu plus lourd, un petit peu plus pesant. Vous sentez presque la tête un petit peu tournée. Vous le voyez empoigner une grosse dague incurvée. Dont la poignée est vraiment enroulée de cuir, ça a l'air d'être un objet vraiment comment dire, un objet traditionnel, voilà, de cérémonie, quelque chose de vieux, d'ancien. La créature semble réciter quelque chose dans un langage qui vous est complètement inconnu. Puis elle ferme les yeux et elle ferme les yeux et d'un coup, d'un seul, elle se transperce l'abdomen d'un bout à l'autre et vous voyez que ses tripes se déversent dans le récipient en face d'elle. Et elle lâche le couteau et toujours les yeux fermés, la créature fouille à la recherche de la réponse que vous avez posée, enfin, de la question que vous avez posée. Et après quelques secondes, ses yeux s'ouvrent et se révulsent, puis le truglion dit d'une voix lente et sûre « Au crépuscule, une marée de créatures se jette dans une bataille sans fin. Au bout du bout du bout du champ de bataille, à plusieurs lieues, une citadelle. Un dernier bastion, un dernier rempart. En haut, un homme. » Une cicatrice, des cheveux bleus. Son visage est sombre, plus sombre encore que la nuit, plus sombre encore que la plus sombre des cavernes. Il lève les bras au ciel en riant, et ses bras semblent couvrir l'horizon. Le ciel s'assombrit. Son corps se décompose. Un squelette, 7 membres. 7 tombeaux, 7 héros acclamés. Mais le ciel est toujours sombre. L'homme rit encore, et son rire s'entend dans les songes des plus faibles et des plus influençables. Et il relâche ses tripes et s'écroule d'un coup autour, enfin. Il s'écroule, quoi, comme s'il était complètement épuisé par ce qu'il venait de faire. Bon, il vient quand même de se transpercer le bide. Et voilà, tout simplement, il garde les yeux ouverts, mais ne dit plus un seul mot. Ok. T'avais pris ton magnétophone ou pas ? Oh, j'ai pas enregistré. J'ai pas enregistré, de toute façon il avait servi déjà. C'est une boutade. T'es usage unique. Ok, ben écoute. Déjà, moi je veux savoir. Vos réactions, bah entre ouais, Nia, Irina et toi, parce que par rapport à cette scène, elle est horrifique. Ouais, ben en vrai, j'ai envie de gerber, je pense, et puis... C'est vrai, vous pouvez toutes me faire un jet de vigueur, parce que en plus de l'encens, du coup, vous avez quand même l'odeur du sang chaud, mmh. Enfin, c'est...
Puis c'est un troll, c'est une grosse créature, hein, donc il y a quand même un sacré paquet de trucs qui est tombé dans le... en faire un aussi. Mais il n'y a que Elerina qui supporte étonnamment assez bien la vue de ce spectacle. Je suis surprise. J'aurais dit l'inverse. Et je pense que c'est exactement cette surprise d'ailleurs qui fait que tu supportes. Hein, tu es trop étonné et estomaqué par la vue de ça, hein, c'est le cas de le dire, pour réagir en fait, alors que les autres peut-être ont plus. Peut-être que tu es plus. Enivré par l'encens que les autres, et du coup tu as peut-être moins calculé ce qui se passait. Les autres, vous êtes pas en train de gerber, mais vous avez vraiment Des choqué quoi. hauts-le-cœur. Ouais, des haut-le-cœur et choqué par Trignan, en tout cas, elle qui s'attendait à un spectacle peut-être magique, tu vois, quelque chose, elle est complètement horrifiée. Hein. Elle a un regard. Elle est pâle comme jamais. Après, enfin, ouais, moi je me lève et je sors voir si je peux pas trouver des secours. Alors là, c'est le roleplay qui parle, hein, les gars, Oui, bien c'est... sûr, bien sûr. Non, mais bien sûr. Parce que pour moi, je sais pas, enfin, je connais pas cette créature, je sais pas, voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Du coup, comment tu fais? Tu... Ben, je sors et puis j'essaye de voir s'il y a d'autres trolls qui seraient dans les parages qui auraient la même enfin les mêmes accoutrements ou même après un passant Non, mais qui... tu trouves assez facilement dans la grande rue que vous avez quittée un autre troll à capuche. Tu trouves assez facilement. Ouais, du coup je cours vers lui. Monsieur, on a un problème. On s'est fait, enfin, un de vos collègues a, je sais pas, enfin, en fait, il nous a proposé de faire de la divination et il s'est ouvert le ventre et maintenant il est par terre et il se vide de son sang. Oh, ne vous inquiétez pas. Nous autres trolls avons des capacités régénératives hors du commun. Il sera dit sur pied d'ici quelques heures, voire peut-être un jour s'il s'est raté. D'accord. Et du coup, on le laisse là. Oui. Il est en sécurité. Refermez bien la porte. D'accord. Et ne vous inquiétez pas. Ok. Ça ne vous fait pas mal? Ah si, mais on gagne bien notre vie. Ok. Bah écoutez, Tant qu'il n'y a pas je une vous la bougie ou un laisse. dissolvant à côté. Oui, c'est ça. C'est Il y a quoi? de la C'est par le bougie, feu normalement. mais... Ouais, c'est le feu ou l'acide. Feu acide. Mais bon, là, le feu des bougies avant que... Aïe aïe. Ouais, le feu des bougies, tu peux y aller, hein. Putain, dans Baldur's Gate, j'en ai balancé des flèches enflammées sur ces contres. Du Ok. coup, qu'est-ce que tu fais maintenant que tu as cette information? Eh ben, je vais pas laisser mes camarades qui seraient restés dedans ou voilà, donc je vais aller les rassurer aussi. Et voilà. Quand tu rentres, tu vois Trinia absolument dans la même position que quand tu es parti, c'est-à-dire en tailleur, les yeux grands ouverts, à moitié avec des haut-le-cœur. Ouais. Trinia. Bon, je suis allé me renseigner. En fait, ces créatures se régénèrent très vite et en gros, c'est leur rituel pour pouvoir lire le passé, l'avenir, etc. C'est terrible. Attends. Oh, Jason. Oh, je. Je. Il va me le payer, celui-là. Je lui ai rencontré des histoires, moi aussi.
Bon, dans l'idée, on va peut-être le laisser tranquillement se reposer. On va refermer sa cahute et le laisser tranquille. Propose-lui un doliprane. Je ne sais pas ce que c'est. Oui, partons d'ici. C'était très éprouvant. Vous avez compris un traître mot de ce qu'il a dit? Sommairement, je pense qu'il parlait du passé, mais je n'en suis pas sûr. En fait, il faudrait faire des recherches un peu dans l'histoire de Corvosa, voir si il n'y avait pas, ben, une histoire avec cet héros, cette personne qui serait peut-être, je sais pas, enterrée sous la pyramide, dans la pyramide, voilà, des personnes qui auraient érigé cette pyramide et qui seraient là pour hanter les lieux. Et du coup, visiblement, de ce qu'il dit, c'est que les êtres qui sont un peu fragiles et sur ces lieux peuvent être influencés par ces personnes-là, ces esprits-là. Alors après, on peut faire des recherches sur cette personne, là, aux cheveux bleus, avec une cicatrice. Alors, peut-être que... Bon, c'est pas commun, les cheveux bleus. Non, c'est pas commun. Donc, ouais, peut-être que dans l'histoire... Peut-être que dans l'histoire, on trouvera une personne de renom avec les cheveux bleus. Ah, s'il s'appelle Goku, non? Ouais, Son. Y a pas une version où il a les cheveux bleus? Si, dans le Super. Ah, d'accord. Mais c'est pas la même chose, hein. Mmh. Ok. Donc voilà. Bah écoute, moi je. Ouais, je sors. J'attends mes camarades devant la piole et je referme à la porte s'ils le font pas en partant en sortant. Mmh. Votre Inia te suit à la trace. Je cherche un drap ou une couverture pour le mettre sur lui. Il n'y a absolument rien. Ah. Bah tant pis, je sors. Le coussin. Oui, il y a les coussins. Oui, je mets un coussin sous sa tête. Tu mets un coussin sous sa tête? Ok, très bien. Ça marche. Et tu ressors ensuite? Oui. Ok. Très bien, brave. Très bien. Du coup, vous avez tous fait vos emplettes et posé vos questions, etc. Vous aviez dit que vous vous retrouviez à la maison du Canari, il me semble. Ouais. Yep. Okay. Bah du coup, très bien. On peut dire que vous y êtes tous retournés. Il est le temps que tout le monde fasse ses petites emplettes. On est en début de soirée, fin d'après-midi, début de soirée, 18h par là, quoi. Ok. Alors moi, ça m'a trotté un peu dans la tête tout le long de la trajet, là. Je suis pas sûr que tu dormes très très bien ce soir. Mm-mm. Ah oui, non, c'est sûr. J'aimerais... Enfin, est-ce que Enzaru est là? Enzaru est là. Enzaru... on a eu une prophétie là, sur ce qui pourrait influencer la reine. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de... Sept héros du passé, des personnes qui auraient du prestige sur Corvosa dans toutes vos lectures. Laissez-moi réfléchir. Est-ce que je peux faire un petit jet d'histoire? Mais il faudrait beaucoup de chance, ouais. Histoire ou folklore local, ce que t'as de mieux. Histoire, je suis plutôt bon. Ça fait un 19. Le critique était pas loin. Ouais. Alors, qu'est-ce que je pourrais te révéler? Tu as déjà lu des choses sur un...
groupe de mercenaires, alors tu sais pas exactement combien ils étaient, mais qui auraient. Ça pourrait correspondre à ce genre de récit. Un groupe de 7 mercenaires, il y a. Qui aurait vécu et participé à leurs aventures, tout ça, il y a environ 600 et quelques années. D'accord. Il y a 600 ans. Enzaru, vous savez, s'il y a 600 ans, il y avait cette pyramide. Oui, elle est beaucoup plus vieille que ça, j'imagine. Bah, j'ai pas fait de test au carbone 14, mais j'aurais tendance à dire que oui. Bah Non, pareil, parce je peux peut-être que refaire un. de visu, on est d'accord que le palais qui est sur le Le sur la palais qui est pyramide sur la paraît plus pyramide, récent. exactement, tout à fait. Ok. Donc ouais, ça marche. Bon, écoute, de toute façon, je vais pas vous embêter plus avec ça. C'est juste, ça a Ah, l'air. dites-moi en plus, qu'est-ce qu'a dit la prophétie aussi? En fait, elle parle de ces personnes qui influenceraient encore des personnes fragiles, faibles. Et on sait bien que la reine était un peu fragilisée ces derniers temps, et ça aurait pu être une des raisons pour lesquelles elle a été influencée. Donc, dans l'idée, la prophétie disait que, en fait, cette personne, bon, c'était un peu, comment dire, flou. C'était une vision de troll dans ses tripes. En gros, elle parlait d'une personne en particulier qui avait les cheveux bleus et une cicatrice. Et bon, il parlait, bon, qu'ils étaient au sommet de, je sais pas, qu'est-ce que c'était, sur les remparts d'une citadelle. Voilà. Et qu'il le voyait rire, enfin, peut-être se moquer même, je pense. Donc, bon, ça serait peut-être des esprits vengeurs, quelque chose comme ça, qui influencerait les vivants, même après leur mort. Un homme aux cheveux bleus, rien en haut d'une citadelle, sept héros qui auraient vécu il y a 600 ans. Oh, ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais oui, c'est à peu près ça. Enfin, héros mercenaires. Ok. Les Chouanti en sauront peut-être plus. Peut-être que les sept mercenaires sont étaient Chouanti, allez savoir, lors de la création de la pyramide ou du Oui, c'est palais ça. Corvosa, etc. Faut Mais qu'on leur pose la question. c'est une bonne piste pour surtout si on arrive à avoir Milos, je pense que il a un rapport bien différent que nous avec la mort. Et ça va peut-être nous expliquer pas mal de choses. Très bien. Vous disiez quoi par rapport au troll qui ce serait. Il y avait des tripes? Je n'ai pas compris. Oui, en fait, les trolls lisent les prophéties dans leurs tripes. Il s'est ouvert le ventre et il a attrapé ses tripes et il lisait dedans. C'est pas banal. Ah ben ça, je peux vous dire que moi, je vais pas bien dormir pendant quelques jours. Puis Oui, je veux bien que l'odeur soit pas très agréable, mais bon, après, vous avez déjà éviscéré un lapin ou autre chose, donc. Oui, ou même des humains. C'est pas pareil, là, on s'attendait à quelque chose de posé, on était avec un peu d'encens, posé sur des coussins autour d'un petit brasero, bon. Non, je vous que ça peut surprendre, ok, mais. Voilà, on n'était pas du tout dans l'esprit combat, quoi. Puis en plus, l'encens, moi, ça me va pas du tout. Je sais pas pourquoi ils veulent toujours mettre ça, c'est horrible, ça, c'est étonnant. Oui, les trolls se régénèrent, donc je m'inquiète pas trop pour lui, Peut-être mais. pour camoufler l'odeur, remarquez. C'est vrai que c'est plutôt particulier. Je suis bien content de pas l'avoir vu. En tout cas, les oracles, c'est quelque chose ici.
Ah, c'est toujours très obscur, par contre. Hein. Là, ça nous. On va se poser encore plus de questions qu'avant. Ah bah, c'est à peu près ce qu'il Mais. a dit. Hein. Avant de nous donner sa prophétie, il a dit quelque chose comme bah, je vais vous donner des infos, mais vous aurez encore plus de questions que de réponses. Donc voilà. On a encore plus de questions que de Aïe. réponses. C'est Il a vu souvent dans comme l'avenir, ça, hein. effectivement. Mais il est bon, hein, il est bon, hein. Ils sont bons, hein. Allez, con, ils sont bons. Mais on aura d'autant plus de questions à poser à Milos et. Moi, je pense bien que c'était un troll. Bah, en tout cas, est-ce que tout le monde est là et Tout le monde est là. on va dire que tout le monde est là, on est en train de discuter autour de la table. Oui, tout le monde est là, tout le monde est là. Tu vois, vous voyez tous que Trénia est en train de se concentrer très Pas fort. vomir? Non, non, ça va, ça commence à aller mieux, hein. Vous avez tous pris un petit coup à boire, ce que vous voulez, quoi. Et elle réfléchit, elle dit, je vais finir par me souvenir exactement de ce qu'a dit l'oracle. Laissez-moi le temps de me concentrer un petit peu et je finirai par me souvenir des mots exacts. Vous voulez un crayon papier? Oui, ça pourrait aider, effectivement. Allez-y, tenez. Posez ça sur papier, ça sera plus simple. Ouais, vous la voyez se concentrer pendant quelques minutes, hein, Oui, on la laisse elle vous tranquille. écoute pas trop pendant ce temps-là. Quant à nous, du coup. J'aurais plus dit une plume et un papyrus, mais un crayon de papier, pourquoi pas? Oh ouais, un stylo, c'est bien. Un Un petit bic, un stylo petit mini, bic, petit à quatre bic, couleurs. petit morceau de 4 couleurs. Comme ça, on pouvait changer les couleurs. C'est trop bien. C'est un stylo magique, quoi. Stylo Une magique. Crayon craie une magique. ardoise. Oh le chien. Quel rabat-joie, c'est Tiki. Une tablette pour enfants, là, où, tu sais, ils font les traits, là. Ah oui, Ah puis après tu ouais. secoues, ça efface. Après tu secoues et ça efface. Ouais, c'est Ouais. clair. Iki, il connaît bien ça. Ouais, j'ai beaucoup joué à ça. Non, j'y ai pas acheté encore. Iki, pour les chevaux, tout est bon? Tout est bon, ça sera prêt demain. Par contre, la somme est sonnante et trébuchante. On arrive à C'est-à-dire? peu Ah ouais, près c'est pas grave, c'est vous qui payez. on arrivera à peu près sur 150 pièces d'or. Je me souviens bien. Ah ben j'ai pas cet argent. Oui, bah justement, c'est vrai que il Hein. faudrait qu'on regarde ce que nous avons, parce qu'il faudra peut-être aller vendre du matériel, parce que moi je. Et 150 pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. Ah oui, donc déjà Ah, on par peut. chevaux, vous êtes malade! Non mais. Non, j'ai demandé. Au début, c'était pour 10 montures, c'était trop cher. J'ai demandé pour 5 montures et au final, ça revient moins cher d'acheter les montures plutôt que de les louer. Parce que dépasser une semaine, voire 15 jours, quand on ne savait pas, ils préféraient qu'on engage les frais pour les acheter. Après, on n'en aura peut-être pas pour aussi Non, long. mais pourquoi vous voulez partir 15 jours là? L'aubergiste avait dit qu'il fallait une journée de cheval pour y aller. Vous êtes fou? Oui, mais on ne sait pas s'ils se sont arrêtés là-bas, on sait pas. Je sais Oui, pas. non, c'est vrai qu'on n'est pas sûr de les trouver. Au Oui. pire, on leur paye une journée et puis après on verra quoi. Et c'est combien la journée? Je ne sais plus. Oh là là, Sincèrement, je ne non, sais plus. l'alcool ça arrange pas. On est. Sauf que c'était 150 pièces d'or pour 15 jours. 15 jours, mais vous voulez aller bivouaquer dans les montagnes ou quoi? Bah, il fallait y aller vous, hein, si ça vous plaît pas. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. On verra ça demain matin. En tout cas, ils sont réservés, c'est tout ce qui compte. Et l'Irina pour la baguette, c'est tout bon? Oui, c'est bon. On l'avait fait avant d'aller au troll, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Et je crois que je te l'avais donné. Est-ce que je te l'avais donné? Je sais plus si on a payé. En échange Oui, vous aviez payé. d'un objet. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est bon. C'est dans ton inventaire, une baguette de soins légers. Ok.
Du coup, vous aviez assez d'or? Non. Mais voilà, du coup, j'ai lâché un objet. Ah, vous l'avez échangé contre un objet? Oui. Vous savez que j'aime bien les armes. Je sais plus, c'était quoi, c'est une lance? C'était une lance plus 1. Ouais. Une lance plus 1. Très bien. Une lance plus 1. Ça vous fait rien? Non, ah ouais, pas particulièrement. Ouais. Non, non. C'est... Alors, bah, vous, après, en même temps, vous êtes rustre, vous battez à vos points. Oui, faut dire qu'ils sont plutôt solides. Oui, oui, oui. Ouais, vous tapez dur. Bah écoutez, si vous l'avez échangé contre un objet. Mais ça sera plus utile que la lance, mais bon. Ça fait chier que je. Peut-être récupérer mon argent alors. Hein? Ouais, j'avais. J'avais divisé, je sais plus, j'ai pris de l'argent que je m'étais enlevé pour le payer. Ah, je vois pas de quel argent vous parlez. Je l'avais donné à Elirina, ça c'est ah, trop bien. Ah, ça va, ça hein? va. Ouais, elle en cache hein, des choses. Tout sa robe. Et puis, je rends l'argent du coup. Rends l'argent. Belle fête là. Combien c'était? Ah, c'était. Je vais remarquer. Ça devait être 187,5, c'est ça. Ouais. Voilà. J'avais un truc un peu plus bas, mais je pense que c'est ça plutôt, ouais. Je suis pas sûr du coût des chevaux, Forben, faudra que tu me... Il me semble que c'est ça. Ouais, il me semble que c'est ça. Ça me paraît... Ok, il me semble que c'est ce qu'on avait dit, mais c'était pour la location, hein. C'était pour de la loc, ok. Il me semble. Ouais, parce que la chasse est cher. 75, okay. C'est pas si cher. La chasse. Hein? Ouais, mais par cheval. Oui, c'est par cheval. On n'est pas à 150 pièces d'or, du coup. Oui, c'est clair. À part si vous chevauchez à 2 voire 3 sur un cheval. voilà, on n'y est pas, quoi. Cirque. 3 on n'est pas. On n'est pas dans la cité 4 sur un scooter. Hein. Ça fait des économies, mais en même temps, sur une revente, le cheval, tu le revends après. Ah oui, bien sûr. Ah ben, bien sûr, après. Ce qui doit quasiment revenir au même en fin de compte. Si tu le revends moitié prix à chaque fois, aussi. Bah, ça dépend. Après, tu peux négocier. C'est pas fluff hein, de le revendre moitié prix. Non, ça se revend jamais moitié prix. Un cheval, c'est une créature vivante. C'est ouais, pas alors comme pourquoi les épées ça se voit à moitié prix c'est quoi, ah, parce que c'est usé, c'est non, usé. C'est... Non, arrête. Elles sont bien entretenues, mes armes. C'est de la seconde main. Alors qu'un cheval. C'est le même fer. À part s'il a vécu 10 ans. Ouais, ben. On va se prendre la vintage. Un cheval, ça vieillit. Une épée, ça vieillit pas. Oui, mais. Ça vieillit en plus une épée. Non. Bon, très bien. Remets de l'aiguisage, et puis hop, c'est reparti. Ça vieillit pas. Mais oui, non, mais ça. Ça c'est bien connu, ça vieillit pas. Oui, ça non, mais rouille, c'est vrai, ça rouille, c'est vrai ça... que quand on tape dessus, enfin, je veux dire, y a, ça vieillit. Ça, voilà quoi, ça. Voilà, oui. Ça vieillit pas quoi, non, mais c'est sûr. Très bien. Du coup, après une bonne trentaine de minutes. Trinia arrive enfin à vous rendre son papier écrit avec son stylo plume troisième génération voilà et elle vous le tend, elle vous le met au milieu de la table. Bon, il y a des ratures partout, il y a des mots qui sont entourés, soulignés parce qu'elle est sûre que c'est cela et au final bon, vous vous retrouvez avec le texte que je vous ai posé. Nice. J'ai fait un petit jet en cachet et elle s'est très bien débrouillée. Ah. Sinon, elle a fait des ratures quand même. Sinon j'aurais changé 2-3 mots. Heureusement qu'elle est là quand même. Mais je fais de mon mieux.
Ouais. C'est trop bien. Merci. Du coup, nous partons demain matin, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, à l'aube. Petit matin. Très bien. Bien, si ça ne vous dérange pas, je vais aller me coucher dès maintenant. Alors, je suis épuisé. Vous pouvez dormir. Hein. Et comme ça, je serai d'attaque dès l'aube pour aller chercher les chevaux, si vous voulez, Enzaro. Je sais que vous vous levez tôt aussi. Ah bah oui, avec plaisir. On va faire ça. Très bien. On se retrouve du coup tous ensemble. On se donne rendez-vous à l'est de la ville, juste à la sortie. Pourquoi on partirait pas tous ensemble de l'auberge ? Ah bah si vous voulez. Si vous voulez. Si, c'est juste que je sais que je vais être réveillé tôt demain. Elle jette un petit coup d'œil à Eiki et dit je pense que certains sont comme, voilà, sont. Ouais, mais bon, Eiki, faut lui parler différemment. Faut lui dire Eiki, la location, c'est à partir de 8h le matin. Et après, c'est de l'argent perdu pour chaque heure que tu ne dépenses pas sur le cheval. Trinia, c'est très bien. Vous participerez avec moi à mes entraînements matinaux. Comme ça me fera une partenaire pour une fois. Ah ben, très bien, très bien. J'ai hâte de voir ça. Elle est douée. Très bien. Eh bien, reposez-vous bien. Je viendrai vous chercher dès l'aurore. Très bien. Eh bien, bonne nuit à tous. Bonne nuit. Reposez-vous bien. Ne faites pas trop de folie. Elle regarde quelqu'un en particulier ? Non, elle semble s'adresser à tout le monde, pour le coup. Nous avons un long chemin qui nous attend et voilà, nous devons faire attention. C'est vrai qu'on connaît pas encore les égouts de Kaer Maga. Ouais. Putain, ni les toits, hein. Franchement, ça me tente bien, hein, passer une nuit à vadrouiller sur les toits. Voir un peu comment ça vit là-dedans. Ben, libre à toi, hein. Ouais, non. Je vais être sérieux, parce que si je me fais... On a prévu une lock et tout. Non, je veux pas foutre en l'air le plan. Et vous, Eiki, Lerina, à quoi que vous inspire cet augure ? Moi, vraiment rien de particulier. Et Lerina ? Non. Rien de... Non. Rien ne vous vient à l'esprit en entendant cet augure, un souvenir, une histoire, enfin, je veux dire, qui vous ferait penser à ça ? Non, jamais entendu ça lors de mes voyages. Mmh. Non, je connais pas du tout l'histoire de la ville. En tout cas, c'est pas cette pirate, sinon, et qu'il l'aurait su. Mmh. Moi, je connais l'histoire, mais ils étaient tous nains. Et il est rentré du travail. C'est ça. Ah, vous la connaissez ? Oui, chez moi, c'est une cantine. D'accord. Si on repart. Cicatrice, cheveux, vitage sombre, plus sombre. Bon, bah. Il est quelle heure, là ? Je vais quand même faire une histoire des fois qu'il y a un truc qui me vient dans la soirée. On est en train de s'avancer dans la nuit. Ah ! On a déjà soupé ! Ouais, ça va commencer, là. Bien soupons et allons-nous nous reposer. D'accord. Si quelque chose vous vient à l'esprit pendant la nuit, n'hésitez pas à le noter. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a au repas du soir, vous avez vu ? Ça parlait de boudin ou de boyau, je sais plus. Oh non, arrêtez. T'avais donné le menu. Un serveur, non, un serveur s'approche et dit effectivement c'est du boudin aux pommes. Oh, s'il vous plaît, vous seriez pas autre chose.
Si on a bien un ragoût de viande, tout classique. Ouais, avec quelques patates, ça m'ira très bien. Des patates. Un boudin, pour moi, ça sera très bien. Moi, je veux juste des légumes. Des légumes très bien, que vous avez. On vous donnera les légumes du ragoût. Très bien. Super. Et vous, monsieur, le chapeau, qu'est-ce que vous mangerez ce soir? Je prends la même chose avec remettez-moi la liqueur, vous m'avez servi la dernière fois. Les légumes et la liqueur, donc. Ouais. Très bien, juste les légumes, donc. Ouais, juste. Ok, très bien, très bien. Liqueur. Très bien, il est malade. Il s'attendait pas à ça, mais très bien, il juge pas, un peu, mais je lui mets pas trop. Et qui ne mange pas d'abat? Pas d'abat. Même pas les Suédois. Ah mais il aime pas la magie, abra, pas d'abat. Pas d'abat, abra, pas d'abat. Ah, ça part trop loin, au secours. Trop loin. Très bien, bah écoutez, après quelques minutes, hein, vous voyez le serveur repasser avec son énorme plateau comme la dernière fois. Il vous dépose à chacun votre la soupe de légumes pour certains. C'était quoi le ragoût avec des patates pour Kaito et le boudin aux pommes pour Enzaru. Eh bien, écoute, moi je mange paisiblement dans mon coin. Pas de discussion, rien du tout. Je suis occupé à manger. Très bien. Est-ce que Kaito, tu peux me faire un test de volonté, s'il te plaît? Ok. Volonté. Je prendrais une crème brûlée aussi. C'est ça. Non, pas du tout. Non, c'est pour complètement autre chose. Non, finalement, je vais me mettre à picoler moi aussi. Non, il n'y a pas de souci. La soirée se passe très bien pour vous tous. Très bien, eh ben, je vais me reposer aussi. Je vous souhaite une bonne nuit et à demain matin. Bonne nuit, Zaro. Je sais plus. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait chacun notre piole, ouais. Oui, vous aviez chacun votre chambre. Parfait. Bah, moi aussi. Très bien. Iki, tu finis ta bouteille Oui, tranquillement, puis je vais me coucher. Très bien. Les autres. Je suis pas. La villa, elle me plaît pas depuis le début. Je veux qu'on loue ouais, le plus vite, ouais, ça marche. Ouais. Très bien. Et toi, Elerina, pareil, une fois que tu as fini de manger tranquillement, tu. Oui, c'est ça. Très bien. Ben, j'attendais, je savais pas trop. Ah ouais. Oui, c'est ça. Ah, oui, c'est pas trop. Tu peux faire ce que tu veux. Non, tu médites. 3 heures, 4 heures, je sais plus. Oui, c'est pour ça. Je prends un bon bain avant. Très bien. Une bassine d'eau chaude est apportée dans ta. D'eau tiède, hein. Parce que bon, pas de brûler la peau non plus. Hein. Bon. Et est apportée dans ta chambre et voilà, tu peux prendre ton bain et méditer toute la nuit si tu le souhaites. Très bien, donc nous sommes le lendemain matin, et il est assez tôt, hein, 7h du matin, Enzaru se réveille, même un peu avant, il est déjà réveillé à 7h du matin, non Enzaru? Ah oui, en plein entraînement. Déjà en plein entraînement. Eh bien très bien, vous avez trouvé un petit... vous avez demandé à l'aubergiste une petite pièce pour... s'il avait une pièce libre... Pour faire quelques étirements, quelques exercices de méditation aussi le matin très tôt. Et effectivement, il a une pièce style
salle de réunion, un petit peu. Au rez-de-chaussée, pas très loin des cuisines. Ouais, on pousse les chaises et les tables. C'est exactement, bon. Tout à fait. Il vous a invité à vous poser ici, puisque bah, de toute façon, il est beaucoup trop tôt pour que qui que ce soit soit là. D'ailleurs, les rues... Enfin, vous entendez pas grand monde dans la rue encore quand vous vous réveillez. Mais vous sentez que peu à peu, ça commence à devenir de plus en plus bruyant. Donc, je ne sais pas à quelle heure les autres se réveillent. Oh, moi, sur les coups de 6h30, 7h, mais à la cool ce matin. Je sais qu'on va avoir une grosse journée de chevauchage. C'est pas spécialement mon dada. Et du coup, je me fais matin tranquille. Je demande s'il a un petit truc à grignoter le matin, de bon matin. Et puis. Petit déj, il est compris dedans. Hein. Ouais, il y a des saucisses, des œufs. Non, pas les saucisses. Je vais prendre les œufs. Oui. Les œufs, un peu de lard grillé, vous en avez? Oui, tout à fait, bien sûr. Parfait. Ça va. Il y a du porridge pour ceux qui préfèrent. Vous saviez que les augures, ils s'ouvraient le ventre. Ah ben, bien sûr, fait partie des. Bon, nous, on le savait pas, on est étrangers, hein, on s'est fait surprendre. Ah oui, je comprends. Mais personne ne vous avait prévenu? Non, on vous a dit, il faut absolument que vous ayez voir les augures. C'est un traquenard. Ah bah après, sachez que les augures sont très bons, hein, ils font... Ah oui, non mais j'en doute pas, hein. De toute façon... Ils sont jalousés par les prêtres des plus grands cultes. Hein. Ah oui. Je sais pas si on devrait les jalouser, ces pauvres gens. Bon, s'ouvrir le ventre une fois tous les jours, deux fois par jour, c'est pas terrible quand même. Ah oui, après les méthodes, c'est autre chose, mais en tout cas les résultats sont là. Ouais. C'est surprenant. Mm-hmm. Ouais, on peut se demander comprendre. Où leur sort toutes ces connaissances, mais. Nul ne le sait, et croyez-moi, mieux pas le savoir. Certains aimeraient bien le savoir. Ah, moi, je préfère pas. Vous savez quelle est la divinité des trolls Qu'est-ce qu'ils vénèrent? Aucune idée. Je vous avoue que je ne sais pas. Je ne suis même pas sûr que ce soit une divinité qui leur donne ses pouvoirs. Non, bien sûr, non, mais c'est juste... Est-ce qu'ils ont un culte en particulier? Ah, peut-être, j'en ai aucune idée. En tout cas, c'est surprenant, effectivement. Et donc, oui, vous comprenez que j'ai un peu l'estomac sur... Oui, je comprends tout à fait. C'est une première expérience. La première expérience est toujours un petit peu surprenante, effectivement. Bah, surtout, quoi, on s'y attendait pas du tout. Il nous a assis oui. Tranquille, on était autour d'un petit brasero. Bon, avec un peu d'encens, on s'est dit, bon, il va rentrer en transe, et puis voilà. Et puis, bon, il s'est planté le couteau. Il a chopé ses boyaux, c'était particulier. Est-ce que Iki est réveillé à 8h ou faut-il aller le chercher? Ça n'a pas changé. Si Roberta vient pas me réveiller ou Enza la dernière fois, moi je suis ronce. Hein. Pourtant, pressé de partir, je t'aurais cru lève-toi ce coup-ci. Voilà. Écoute, je vais te chercher à 8h moins 10. Bah, très bien. Moi je suis passé deux fois chercher les quelques affaires que j'avais laissées, mon pactage et tout dans la chambre, avant de rendre la clé. J'ai donné deux grands coups de pied dans la porte au passant. Allez, debout Iki, venez prendre un petit déjeuner, ça vous fera du bien. Ouais. Vous avez besoin de prendre des forces pour la journée, elle va être longue. J'espère qu'il n'y a pas du boudin. Non, œufs, bacon et saucisses, si besoin. Ah bah voilà. Ou porridge. Porridge aussi. Bon, ça, y a un petit buffet. Parfait. Très bien. Je viens petit déjeuner avec plaisir. C'est l'avantage d'être dans un hôtel, dans une auberge un peu plus cossue. Hein. Ouais. Vous avez bien dormi d'ailleurs. Moi je trouvais les matelas de très bonne qualité. Ouais. Très bien. C'était parfait. Et on avait des matelas tout court. Bon, je sais pas trop hein, pour l'histoire des chevaux là, vous. Je dirais ce que vous en pensez, mais... Et vous inquiétez pas, ils sont réservés, c'est déjà bien.
On verra. Ouais. On verra ça. Ok. Bon, du coup, le petit déjeuner se termine tranquillement. Chacun, y compris Trinia et Nzaru, finissent leur petit déjeuner. Et Lerina, tu es réveillée, on est d'accord, hein? Ah oui, j'étais réveillée. Ah, tu t'es réveillée, très bien. J'ai même pris le petit déj, j'ai pris le porridge avec des fruits. Parfait, très bien. Très bon petit déj, très nourrissant, hein. Tu en auras assez pour tenir au moins jusqu'à midi, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Très important le petit déjeuner, hein, n'oubliez pas. Hein. Repas le plus important de la journée. Hein. Même pour les aventuriers. Surtout pour les aventuriers. C'est pas que je ne prends pas. Oui, bah moi pareil. Ça, hein. Et vous engagez vers l'est de la ville. Bon, vous croisez rien de spécial ce coup-ci, pas de palanquin tiré par des esclaves ou autre bizarrerie. À part si vous souhaitez vous écarter de la grande rue. Peut-être. Non, on traîne pas. Non. Très bien. Mais j'ai quand même l'œil alerte sur ce qui se passe dans les rues, ça m'intéresse. Et vu que je connais pas trop les coutumes et surtout les vices de cette ville, je suis attentif à ce qui se passe dans les rues. Ouais, bah évidemment, tu crois voir de temps en temps quelques petits vols à la tire, évidemment, hein, des bourses qui disparaissent par-ci par-là. Sur des marchands peu attentifs à leur alentour. Tu remarques une fois, il y a quelqu'un qui semble assez richement vêtu, accompagné d'un servant. Tu en as déjà vu quelques-uns maintenant, hein, un servant mort-vivant. D'accord. Ça avait l'air de choquer absolument personne. À part mon chat. Ce chat, il n'aime pas les morts vivants. Et mais sinon, pas de soucis, quoi. Enfin, okay. Et le mort vivant avait l'air, on va dire, bien dressé. On va dire ça comme ça. Ok. Ok, ok. Ça, c'est des trucs, ça me passe au-dessus de la tête. Je comprends pas qu'on puisse ramener des gens à la vie. Ouais, ça me rebute aussi. Je les découpe, c'est pas pour qu'ils se relèvent. Après, il y en a, ceux que tu croises, ils ont l'air parfois en très bon état, hein, on va dire. Hein, tu vois. Ils sont juste pas lourds. Ils sont juste pas lourds, voilà. Après, il y en a des jeunes, il y en a des moins jeunes. Ok. Et on est d'accord que ils parlent pas. Non, ça parle pas. Ça fait des grognements à la limite, ouais, okay. Mais c'est tout quoi. Ah, une bonne question ça. Je sais pas si dans Pathfinder il y a des niveaux de mort-vivant suivant le mage qu'il est. Je sais que dans Donjons et Dragons, dans les 3.5, etc., quand c'était vachement compliqué, il y en a qui étaient plus intelligents que d'autres. Je crois pas. Ça me dit rien dans Pathfinder. Ils sont tous très cons. Bah si, après, t'as les liches et tout ça. Mais bon, là, c'est des invocations, ouais. C'est, voilà, c'est... Bah si, non, une liche, c'est pas une invocation. Ah ouais ? D'accord. Non, mais la liche, c'est un mort-vivant, non ? C'est un mort-vivant, bien sûr. Oui, si, c'est un mort-vivant, ouais. Mais là, on parle d'une magie beaucoup plus puissante. Dans le cas d'une liche. Ah oui. C'est autre chose qu'un dragon. Hein. Oui, c'est autre chose qu'un petit squelette ou un zombie de base. Quoi. D'ailleurs, je sais pas où est la bascule entre quelqu'un qui s'est fait tuer, ressuscité par un prêtre, et à quel moment tu passes mort-vivant, ou est-ce qu'il y a une limite de temps pour être ressuscité ou pas. Ben non, je pense pas, parce que du coup, si tu ressuscites quelqu'un qui est mort depuis trop longtemps, ça fait un squelette. Oui, c'est l'état de décomposition. Je pense que c'est l'état de décomposition qui fait ton archétype, en gros, quoi. Enfin... Ouais. Ou de conservation. Oui, voilà, l'état de conservation, ouais, c'est ça. Si, du coup, on parle d'une liche, c'est quoi une liche ?
Une liche. Oui. Qu'un L. Ouais. Une liche, c'est vraiment une créature. C'est celle qui avait. Attention, petite parenthèse spoil pour ceux qui n'ont pas vu. Sur Donjons et Dragons 5, elle avait une d'enfermée dans le livre que Erwald utilisait. C'était oui, il pouvait l'invoquer. Magicien. Et du coup, c'est quoi? C'est un esprit qui flotte? Oui, voilà, non, moi, j'aurais dit c'est un esprit. Non, non, non. Les liches, ce sont généralement des magiciens qui ont choisi de devenir mort-vivant. D'accord. Voilà, pour atteindre l'immortalité, pour. Voilà, enfin, pour. Ok. Voilà. Mais du coup, moi, j'imagine un truc qui flotte dans les airs et. Non, pas spécialement. Pour moi, c'est humanoïde. Hein. C'est humanoïde. Ouais, c'est... Et flippant. Et oui, après, ça peut prendre un peu tous les traits que ça veut. Faut imaginer un mage avec des vêtements lambeaux. Grande robe. Ouais. Grande robe. Okay. Très rapiécé. Après, sur WoW, par exemple, il y a le roi Lich. Lui, il est... Il est en armure, quoi. Il est en armure lourde. Mmh. Ouais. Okay. Et voilà. Et du coup, ce sont des créatures qui ont ce qu'on appelle un phylactère et qui ne peuvent être tuées que si le phylactère, ça doit te dire quelque chose, Erwaldo, avec la cette époque. C'est pas du tout. Bon, on en parlera après. et en gros, tant que tu ne détruis pas ce phylactère, la liche revient à la vie, à la non-vie. Indéfiniment. Oui, elle se relève quoi qu'il arrive. C'est ça. Et donc, du coup, en général, le phylactère est un endroit très protégé et assez loin de la liche. Ok. Pour que justement, ce soit pas trop facile de faire l'un puis l'autre d'un coup, quoi. Ok. Bon. Moi, j'imagine que c'était. Il fallait juste que je brûle le livre. Ça, c'est Rolf me le lira, quoi. Non, c'est vrai que j'ai un gros doute là-dessus, je sais plus. Il faut une grande dragon qui soit transpercée à travers la livre. Je vais pas dire de bêtises, sincèrement, je sais plus. Yes. Non, c'était une dent de serpent. De serpent, ouais, de basilic. De basilic, avec son venin. Très bien, très bien. Du coup, on reprend? Oui, bien sûr. On va faire la pause, même, je vous propose. Ah là. Hein, faisons la pause maintenant. Et puis, on se retrouve pour le début de votre chevauchée. Le début du départ. Exactement, le début du départ. Allez, salut à tous. À bientôt. Salut. Ciao. Allez. L'épisode est terminé. Il est l'heure de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, abonne-toi à la chaîne et rajoute un pouce si tu as aimé la vidéo. Avec Twitch, viens nous voir en live. Sur Facebook, tu peux aimer notre page. Sur Twitter, suis-nous. Tous les liens sont dans la description. Allez Minsk, on y va. Nous, on a encore du gobelin à dérouiller.